Bonsoir, c'est Rock Moderne et bienvenue sur la chaîne donc. Et comme vous pouvez le constater, on a pas mal de choses à voir ensemble, pas mal de disques. Et on va commencer par le dessus de la pile et certains ont déjà reconnu le dernier album du groupe américain Greta Van Fleet. Alors je vous avais déjà présenté leur premier album Anthem of the Peaceful Army de 2018 et l'EP qu'ils avaient sorti Black Smoke Rising. Donc excellent groupe donc de rock oui, américain et qui a été nominé pas mal de fois Grammy Winning Rock Band. Voilà. Et ils ont sorti donc en 2021 The Battle at Garden's Gate. Donc c'est leur deuxième album, il s'agit de l'édition limitée qui devient une rareté. Ça a été assez difficile de trouver un prix raisonnable, mais maintenant, on peut dire que son prix a déjà doublé. On est passé de 35 à 70 euros avec les frais de port. Voilà, donc très bon album de rock pour ce groupe du Michigan qui avait démarré en 2012 et que de chemin parcouru depuis. Alors, The Battle at Garden's Gate, et dedans on a les titres My Way Soon, Age of Machine, Heat Above, Broken Bells, Built by Nations. Alors, les titres. Voici donc les titres, mais qu'on voit pas bien, donc je vais ouvrir. Bon, il s'agit d'un gatefold, donc on peut y aller au cutter. Vous voyez donc édition limitée Green Vinyl. Voilà. On va essayer de conserver tous ces stickers. Parce qu'il y en a pas mal. Il y en a trois en tout. Pas évident à les faire. Alors voilà comment se présente le disque. Vous voyez, avec un joli papier gaufré, mat, satiné. Et doré, et avec à l'intérieur aussi une très belle artwork en relief. Je sais pas si on le voit ici. Voilà. Ici, vous voyez, ça se voit. C'est assez joli. C'est pas un pop-up, mais c'est du relief. Voilà, c'est assez joli. Donc, à mon sens, très bon album de rock chez Republic Records. En fait, c'est distribué par Universal Music. Alors là, il s'agit de l'édition. Dedans, on a d'ailleurs un joli petit livret, bien soigné. On a tous les crédits, on a toutes les paroles des chansons, tout ça. C'est assez bien fait. C'est assez joli. Donc, bonne documentation. Et voici le groupe. Donc, très bon. Je vais stocker les disques ici. Très bon disque. Je l'ai écouté. Il y a certaines chansons qui m'ont plu, qui sont pas mal du tout. Voilà, et des sonorités quand même qui accrochent bien l'oreille. Donc c'est un green vinyle translucide et qui est déjà sold out et difficilement trouvable. Voilà. D'ailleurs, je ne pensais pas l'avoir parce que ce n'était pas sûr que je puisse encore le commander. Et finalement, je l'ai reçu et ça fait un petit peu le doublon avec un autre que je vais vous présenter
après, qui est également sold out malheureusement. Alors le deuxième disque, ben, voilà. Alors donc c'est République, le label. Alors je ne sais pas si on a droit du chez Z Media ou du MPO. Enfin, j'ai l'impression que c'est l'import américain que j'ai là ici. Voilà. Donc on a peut-être échappé au CZ Media. Passage tchèque qui est pas terrible. Voilà. Donc c'est tout ce qu'on avait à l'intérieur. Donc très bon album. Alors j'avais commandé il y a longtemps en pré-order. Je vais me dire, ça va faire un doublon. Alors celui-ci, donc sur le site d'une filiale de Universal. Et il y a pas mal de choses intéressantes, encore pas mal de stocks. Et j'ai l'impression que j'aurais pris leur dernier exemplaire. Si j'arrive à l'ouvrir, parce que c'est drôlement bien fermé. Voilà. On va y arriver. Donc, édition. Donc, une édition sans pochette, mais comme ceci. Comme ceci, voilà. C'est peut-être pas la peine que je vais en sortir qu'un. Voilà. Donc je pensais au moins renvoyer l'un des deux, mais finalement, comme ce sont devenus des vraies pièces de musée, des vraies raretés, je crois que finalement je vais les garder parce que même celle-ci, il faut compter 70 € avec les frais de port pour l'avoir celui-ci, alors que je l'ai payé que 25. Donc voilà, très joli. Vinyle 180 grammes chiné, vous voyez, un petit peu marbré. Ça ressort pas trop à l'écran, là, j'allais dire. Non. Peut-être comme ça. Parce que là, on a l'impression que c'est tout. Voilà, là, déjà, vous avez pu voir, il y a des. Enfin, c'est assez marbré. C'est assez joli. Enfin, je vais voir comment évolue la cote. Voilà, on verra si je le garde ou pas, parce que ça fait un peu doublon. C'est un peu idiot d'avoir des choses en double, mais c'est un petit peu fortuit. Alors, bah, toujours avec les Américains. Hein. Flock of Dimes, Head of Roses. Donc, la chanteuse Lynn Wassner, qui en est à son deuxième album. Donc, qui est assez jeune, qui est née en 1986. Enfin, assez jeune. Relativement jeune. Donc album de 2021, deuxième album. Donc c'est plutôt de la synth pop, je dirais. Donc et dessus il y a le single Too qui m'avait plu aussi. Voilà. Donc je montre tout ça. Là aussi j'avais pu avoir le dernier exemplaire de limited edition, la first pressing vinyle coloré. Voilà. Bon, pas mal du tout, 2021, donc chez Sub Pop Records. Donc, je ne sais pas si j'avais noté d'où il était. Donc, USA, Lynn Wassner, donc, voilà. On va l'ouvrir. Là aussi, il s'agit d'un gatefold. Pas mal du tout. Alors, ça, c'est pas du tout comme les Greta Van Fleet. C'est pas du rock, c'est plutôt du synth-pop, je dirais. Voilà, synth-pop, c'est assez cool comme. J'aime bien. Aussi, on va essayer de garder les stickers. Hop, hop. Avoir le sens. Évidemment, vous avez une partie à l'endroit et une partie à l'envers. Donc, l'album Head of Roses, Flock of Dimes. C'est pas un Flock of Seagulls, c'est Flock of Dimes avec un joli artwork. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Donc, pas de. Voilà.
très joli vinyle, donc transparent, vous voyez. Puis là, vraiment, l'image est très fidèle à la réalité. Head of Roses. Flock of Dimes. Alors, ensuite. Donc, ça, je ne sais pas si je vous en avais pas parlé. Il me semblait que je vous l'avais présenté, mais j'ai regardé dans mes archives. J'ai rien du tout. Donc, en fait, donc c'est le dernier album des Foo Fighters, Medicine at Midnight, en exclusive Orange Vinyl. Ça, c'est une exclusivité distribuée par la Fnac. Donc, RCA. Je regarde si c'est pas encore Universal, c'est Sony Music. Bon, enfin. Entre autres, exclusivité de la Fnac, entre autres, avec pas mal de vidéos dessus. On a No Son of Mine, Chasing Birds, Shame Shame et Waiting on a War. Donc, ce sont les quatre vidéos que j'ai pu voir sur YouTube pour ne rien vous cacher. Et on a d'ailleurs la tracklist ici. Et vous devez connaître sans doute cet album. Voilà, donc là il ne s'agit pas d'un gatefold, on va l'ouvrir. Alors, ils sont de Seattle et le chanteur c'est Dave Grohl. Ils ont démarré en 1994, voilà. Alors, c'est du, moi j'ai classé en pop rock, mais bon, ça chacun fait ce qu'il veut. Donc, pour les classements, avec crédit et. Membre du groupe. On a une. C'est une pochette. Ouais, on a une pochette. On a une pochette intérieure où on peut loger le disque. Vinyle, je regarde dans quel sens ça se regarde, ça. Comme ça. Voilà, plutôt. Donc en fait, il faut la retourner. Hop. Voilà, comme ça. Très joli artwork. Hein. Et aussi, on a une édition, donc c'est orangé, mais un peu chiné. Voyez, là, on voit des marbrures translucides. Ouais, je pense pas que ce soit du 180, mais enfin, le prix aussi en dessous de 20 euros. Donc, intéressant. Voilà. Ensuite, alors ça, c'est un pre-order depuis de très longue date. Le dernier London Grammar, Californian Soil, qui sont donc anglais, hein. Comme le titre ne l'indique pas, Californian Soil. Alors, nouvel album, c'est le Picture Disc. Alors là, il y a eu pas mal de vidéos, je crois qu'il y en a eu 6 extraits de cet album. Donc, de 2021, donc chez Sony Music, on va l'ouvrir. Alors, pourquoi j'ai pris le Picture Disc? Parce que le son, bien sûr, même si le son est moins bon. Comme vous avez pu voir, il y a un coupon de téléchargement. Donc éventuellement, entre le coupon, je me suis dit avec le coupon, si je veux écouter quelque chose de parfait, eh ben, j'écouterai la musique numérique. Voilà. Mais enfin, très bon album, très très. Alors moi, je l'ai classé en Britpop, Synthpop, mais c'est quand même très recherché. C'est très fin, c'est très très mélodieux, très très cool aussi, très reposant, très relaxant. Ouais, ça mérite mieux que de la Synthpop, Britpop. Ça, c'est vraiment formidable. Alors Anna Reid, la chanteuse. Voilà. Et avec donc 6 vidéos, Oi My Love, Lose Your Head, I Need the Night, How Does It Feel, Baby It's You, Lord It's Feeling. Mais tout est bon, hein. En fait, tout aurait pu sortir en single. Puis alors, il est superbe ce picture disc. Oh, c'est du 200 grammes là. On n'arrive même pas à le. Donc, ils ont dû tricher sur le poids. Assez lourd pour que ce soit assez net. Voilà, donc ils sont de Nottingham en Angleterre. J'ai dû y aller là-bas quand j'étais jeune.
Ensuite, puisqu'on est toujours dans les Anglais, donc Pix, je vous avais montré l'album, je crois, de 2000. London Grammar, c'était le troisième album, et celui-ci, c'est le deuxième. Je vous avais présenté Age of Anxiety avec le titre Waterslides, son premier LP, donc de Pinks. Et là-dessus, j'ai beaucoup aimé Disgrace. Bon, c'est un peu électropop, synthpop aussi, britpop, synthpop, mais c'est pas mal, assez recherché. Donc, une autre Anna qui s'appelle mais Rogers. Donc, elle est de Londres, elle. Ils sont de Londres. Elle était assez dépressive, alors c'est pour ça qu'elle a essayé de combattre sa dépression en sortant des chansons. Voilà, elle explique d'ailleurs sur le site de 4ED Records, qui est le label qui distribue Pix. Alors, je vous avais. Je ne l'ai pas sous la main, mais je vous avais présenté l'édition. Il y avait une édition rose, moi je n'avais pas pu la voir à l'époque. Et je vous avais présenté l'édition black. Et là, donc, c'est le deuxième album. Donc, dessus, on a Beach et Disgrace, notamment. Donc, album satiné. Donc, en dessous de 20 euros, c'est, je trouve que c'est quand même bonne rapport qualité-prix. Voyons, qu'est-ce qu'on a dedans? Faut pas trop en vouloir. Oui, voilà, on n'a quand même pas de sous. Si, on a quand même une. Pas de coupon de téléchargement. Je me souviens plus si j'avais pas eu un coupon. Oui, j'avais eu un coupon pour le premier. Et là, je vois que j'ai eu un coupon aussi de téléchargement. Donc, vous voyez, pour le deuxième album aussi. C'est pas mal. J'avais écouté pas mal. Premier album, donc il y a tous les titres, tout ça. Je trouve qu'il y a un bon rapport qualité-prix. Bon, c'était une édition, c'est pas du 180 grammes, donc c'est du 4ED Records. C'est quand même bien pressé. Le premier album était bien pressé. Pix, voilà. Ça, je vous recommande donc les deux albums de ce groupe sans tarder. Alors, qu'est-ce qu'on a encore en nouveauté? Alors, une Canadienne, évidemment, vous avez deviné. Qui a sorti son album Phoenix, premier album, Charlotte Cardin. Elle est, je crois, de québécoise, je crois qu'elle est de Montréal, c'est ça, Phoenix, LP de 2020, exclusivité, soi-disant, hein, la Fnac. Je vais voir qui c'est qui distribue ça, Parlophone. Voilà, c'est sans doute une exclusivité de la Fnac. Et là, il y a eu pas mal, pas mal, pas mal. Il y a 8 vidéos. Phoenix, Passive, Aggressive, Anyone who loves me, Sex to me, Soyo, Oceans, Sad Girl et Je te quitte. Alors, c'est Sad Girls, hein, parce qu'il y a une erreur sur Discogs. Ils ont marqué Bad Girls et j'ai bien vérifié sur l'album, c'est bien marqué Sad Girls. Alors, sur Discogs, faut le modifier, ça, parce que la vidéo, c'est bien Sad Girls sur l'album aussi. Et non pas Bad Girls, hein. Donc rectifiez-moi cette énormité. Voilà. Meaningless, en plus, un autre titre, Anyone. Voilà. Il y a aussi Meaningless, donc neuvième titre. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Un titre à l'ouvrir. Donc, pas mal du tout, du tout, du tout. Alors, c'est de l'électropop. Moi, elle c'était une chanteuse de pop électro et de jazz. C'est influencé par la soul et le jazz aussi. Ça me fait penser, dans un genre différent, à London Grammar, où c'est très recherché, très, très lent, très, très, très cool, finalement. Là aussi, celui-ci, ça me fait penser un petit peu à cette ambiance. Voilà, dans un genre totalement différent, bien sûr. Peut-être moins froid. Voilà, Charlotte Cardin, c'est moins froid que London Grammar, je pense. Mais donc, vinyle translucide, transparent même, je dirais. Ouais, translucide, transparent. Voilà. Donc, à écouter. Pas mal du tout, avec tous ces titres, 9 titres, hein, pratiquement tout l'album, qui en comporte, je crois, une dizaine. Hein. Un plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sur 13 titres. Ouais, il y en a 9. 9 singles, c'est pas mal du tout. Voilà. Ensuite, alors, la bande à Bono, évidemment. Donc, le U2, 12 o'clock TikTok. 11, pardon. 11 o'clock. TikTok, donc réédition qui était sortie en fait, c'est un single qui était sorti bon, d'après mes recherches, hein, parce que j'étais passé un petit peu à l'époque, j'étais passé un petit peu à côté, qui est en fait sorti entre les deux albums, celui de 80 avec ses Boys et puis vous avez October en 81, et je crois qu'il est sorti entre les deux. Et en face B, on a deux extraits du Live at the Marquee de 1980. Il y a un album de donc live de U2 qui reprend ces deux titres, Touch et Twilight, et on retrouve Twilight sur le premier album donc de Boys, de Boy, pardon. Voilà tout ce que je pouvais vous dire. Voilà. On va l'ouvrir. Alors là aussi, il s'agit d'un gatefold. C'était sorti pour les Record Store Day de l'année dernière, de 2020. C'est même marqué là. Et je n'avais pas pu l'avoir à l'époque. Moi, j'ai écouté. Bon, c'est du post-punk, comme d'habitude. C'est du New Wave Rock, tout ce qu'on peut. U2, donc. Je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y a des gens, c'est pas tout le monde qui a toute notre culture musicale, donc sont des Irlandais, de la New Wave post-punk irlandaise, je crois qu'ils étaient de Dublin. Ouais, je crois que je l'ai marqué. Ouais, de Dublin, c'est ça. Ouais, j'arrive. Respecter le timing, faut quand même pas trop parler, parce que là, allez, encore une pochette à récupérer. Avec des stickers. Voilà. Ah, c'est pas mal fait. Donc il était sorti qu'en 45 tours à l'époque. Qu'en 45 tours. Et voilà. Je suis obligé de toucher l'écran parce que j'ai un petit. Voilà. J'espère que ça s'est pas imprimé sur la vidéo. C'était pour recharger le portable. Voilà. Smartphone. Donc, alors Marquis, c'était donc là où ils sont produits à Londres. Et puis alors une jolie édition. Bon, ça c'est distribué par Universal. Moi, je l'ai eu sur le site enfin, de la filiale d'Universal. C'est Vinyl Collector, hein, la filiale d'Universal. Ils ont pas mal de choses. Qui sont sold out à la Fnac ou sur Amazon, vous ne trouverez pas, même sur The Sound of Vinyl, qui distribue pas mal de disques Universal, entre autres. Et bien là, vous trouvez pas mal de choses intéressantes. Voilà. C'est là où était sorti l'année dernière le coffret donc, du Grand Bleu, que je vous avais montré, qui est d'ailleurs ici et que j'avais eu dédicacé. Donc très joli disque translucide. Alors ensuite on continue avec un autre groupe New Wave, The Sound, Shock of Daylight, un mini-album de 1984. Alors tout est bon dessus. Golden Soldiers, Longest Days, Counting the Days, Winter, New Way of Life, Dreams, Ten Plains. Dreams, Then Plains. Voilà, j'arrive plus à parler. Dreams, Then Plains. Plains. Voilà. Donc, ça, c'est Demon Records qui produit ça, qui édite ça. Et bon, j'ai écouté, je vous avais montré les autres rééditions de The Sound. Donc, bah, c'est du post-punk, moi je dirais New Wave. Mais c'est bon, de bonne qualité. C'est pas que du commercial du tout. Avec voilà, Demon Records, un joli, transparent comme celui de la Fnac. Voilà, que j'ai montré tout à l'heure.
mini-album, 5 titres. Voilà. Les EP, c'est 4 titres. Là, on tourne en 33 tours. Et donc, groupe, bien sûr, de Londres. Ouais, de Londres également. Donc, anglais. Voilà. Ensuite, on part en Amérique avec cette réédition de Laurie Anderson, Big Science, album de 1982. Donc, du rock expérimental, synth-pop expérimental, je dirais, avec un fameux titre, Maxi, que j'ai cherché. Je l'ai cherché, j'avais la pochette dans l'œil, et c'est à l'occasion de cette réédition, j'ai vu, ah ben, Oh Superman, qui est sur cet album, parce qu'il y a eu deux titres extraits de cet album, donc Big Science, le titre de l'album, et aussi Oh Superman. Alors, Oh Superman était de 81 et Big Science de 82, et cet album est de 82, donc pop rock, je dirais, synth pop expérimental. Donc ça, c'est le pressage américain que j'ai. Laurie Anderson, elle est née en 1947, hein, quand même pas toute jeune. Elle est génération de Mick Jagger, hein, à peu près, à quelque chose près. Donc de l'Illinois aux États-Unis. Voilà. Hop. Ah, on a même des petites choses en plus. Déjà la pochette, je peux tout dire. Pas du 180, mais sur du 180, rouge. Rouge opaque, PVC opaque. Donc, Laurie Anderson. Bon, cette pochette était très connue à l'époque. On l'avait vu pas mal circuler. Et c'est vrai que je recherchais Maxi. En fait, il y a une version donc de Oh Superman dessus, de 8 minutes. Donc, la version Maxi est sur cet album. D'ailleurs, vous n'avez que deux titres en face B. Donc, alors ça, je sais plus. Je me demande si ça vient pas d'Amazon.com. Hein. New York, qui c'est Warner. Donc ça, c'est fait aux Pays-Bas pourtant. Alors je vois qu'il y a eu un. Ouais, il y a eu un remaster en CD en 2007. Il y a peut-être une réédition en CD, en vinyle peut-être en 2007. Et là, c'est ressorti en 2021. Voilà. Donc c'est chez Warner. Que je pouvais vous dire sur cet album. Ensuite, alors toujours sur Vinyl Collector, donc de chez Universal, In Excess, Very Best Of. Vous voyez ils ont encore des stocks, hein, même si c'est sold out. Le Best Of de In Excess, groupe australien évidemment. Je vous rappelle, hein, toujours rappeler parce que vous avez des gens qui débarquent sur ma chaîne pour la première fois, et des fois qui connaissent rien, qui sont très jeunes et qui connaissent rien du tout. C'est normal, hein, c'est pas tellement leur génération. Hein. Voilà. Et dessus, on a évidemment donc The Very Best. Alors Need You Tonight, Suicide Blonde, Original Sin de 83. Si mes souvenirs sont bons, 83-84. Ensuite, Devil Inside, Beautiful Girl, Kiss the Dirt. Voilà, enfin, vous avez tous leurs singles. Donc là, c'est bien parce que ça regroupe un petit peu toute la crème, une partie de la crème de In Excess. Et en plus, il s'agit de. Et là, on voit bien le défunt. Voilà, qui nous a quittés, je crois, en 4. 99, je me souviens plus, à la fin des années 90, je crois. Voilà, donc, d'ailleurs, on voit. Mais ça, c'est du 180 grammes, par contre. Donc, puis avec un macaron argenté. Donc, vraiment, très beau disque, belle qualité. Voilà. Donc, si vous voulez découvrir In Excess, hein, je vous conseille vraiment. Je vous conseille vraiment ces titres. Il n'y a pas les années. Hein, je regardais s'il y avait dans ce moment-là. C'est le même. C'est le même. Je ne vais pas m'apesantir dessus. Donc, de très belles éditions. Puisqu'on est dans la New Wave, bon, on continue avec les Belles Stars. The Bell
Stars, l'album de 1983, 82-83, sorti fin 82, début 83, Belle Stars avec les singles. Alors, les singles, il y a Sign of the Times, Si Ya Ya, The Clapping Song de 82, Indian Summer, sorti en 83, Sign of the Times, c'était sorti début 83, et on a Ico, Ico, voilà. Et Mockingbirds. Oui, je me suis tombé. Si Ya Ya, je crois que c'était pas un single. C'est Ico Ico qui est sorti en single. Et Mockingbirds. Donc Ico Ico, Mockingbirds, The Clapping Song et Sign of the Time. Quatre singles qu'on voit ici. Bon, on va l'ouvrir. Il me semble que c'est aussi Demon Records qui. Oui, c'est toujours Demon Records qui réédite ça. Donc. Alors, la chanteuse Sarah Jane Owen. Et Jenny McCown, lead vocals. Lead guitare, Sarah Jane Owen. Voilà. Donc Jenny McCown, la chanteuse. Saxophone, etc. Vous avez tous les. Donc ça, c'est vraiment une a girls band, un groupe féminin, 100% féminin, un peu comme Bananarama, mais beaucoup plus. Plus rock, je trouve. Moins commercial, peut-être aussi. Plus pop, rock. Bon, ça, c'était sur leur pochette de Mockingbird, du Maxi. D'où du Maxi, ils ont repris. Voilà, on est toujours dans le rouge, mais translucide cette fois-ci. Donc chez Demon Records, là on est sur du 180 ici. Voilà, donc très bon album, toujours pareil, les bonnes années 82-83. Et également album mythique que je vous avais présenté en édition originale, comme celui des Belles Stars. Alors celui des Belles Stars, c'est un album éponyme, hein, donc, du titre The Belles Stars. Associates, seul que. Donc l'album de 1982. Avec pas mal de singles, donc on a Club Country, surtout Party Fairs 2, et puis voilà, enfin c'était les plus connus, voilà, Party Fairs 2 et Club Country. Ils avaient sorti pas mal de maxi qui n'étaient pas sur l'album aussi, pas mal de titres. On va l'ouvrir. Alors qui c'est qui fait ça? Donc ça c'est l'édition 2016, remaster de 2016. Et c'est BMG. BMG. On va l'ouvrir. Ouais, c'est toujours pareil, ces disques-là. J'ai eu un petit peu de mal parce qu'on les laisse passer, on les laisse passer. Et finalement, ils sont sold out un peu partout. Il faut aller fouiller pour les avoir pas trop chers. Il y a encore d'Audax, il y en a quelques-uns. Il y en a. Voilà, ils sont plus tellement distribués. Voilà. Alors, bon, comme c'est du 180 grammes. Ils sont pas chers, hein. C'était les prix d'avant la hausse. En vinyle noir, ça fait plaisir aussi, comme l'original. Voilà. Et propre, vous voyez, nickel. Donc, Billy McKenzie, le chanteur, j'oubliais, donc groupe anglais, bien sûr. Billy McKenzie qui a fait une brillante carrière solo. Ensuite, voilà, carrément, le Tom Tom Club de David Byrne, des chanteurs des Talking Heads. Alors carrément, ils ont mis Talking Heads, mais en fait, c'est pas Talking Heads, c'est Tom Tom Club. Mais c'est produit, donc, et puis composé par le chanteur de Talking Heads, effectivement. Et donc, le titre de l'album, c'est. Bon, non, il est éponyme, Tom Tom Club. Je pensais que c'était. Qui avait un titre particulier. Donc, voilà. Donc on va l'ouvrir. Je ne voudrais pas écorcher les titres. Excusez-moi pour l'ouverture, c'est un petit peu laborieux. Des fois, le blister ne va pas venir. Ah, c'est la seule façon de ne pas endommager le. Oh, bon, ça, c'est des disques qui sont pas chers du tout. Voilà. Vous voyez, il n'y a rien du tout. Et on a par contre un joli. Alors c'est Sire à l'origine, Sire Records. Donc ça doit être un import américain. Alors dessus on a
les titres Wordy Rapping Hood, morceau bien électro-rap un peu de l'époque, qui était sorti en 81. Alors cet album est sorti en 82 et on a Genius of Love. Genius of Love. Ah oui, parce que je pensais à un autre titre et qui n'y est pas en fait, qui était sorti aussi en 82, mais qui n'y est pas. Voilà, dessus. Oregon Music. Voilà, donc très joli marbre. Je vous le remonte parce que c'est vrai que c'est là, quand je le revois, c'est magnifique. Ensuite, Queen the Works, je pense que c'est le troisième album des années 80. Attention, hein, je précise bien. Donc là, Half Speed de Mastering. Donc un mastering, il a été enregistré à, non pas en 33 tours, mais donc la moitié, c'est-à-dire à 11 tours et demi minutes. Hein, ça doit faire, qu'est-ce que je dis, non? La moitié de 33 fait 15, 16, oui, ça doit faire 16 et demi tours à la minute. Donc, ce qui fait que le pressage, la gravure est beaucoup plus précise et le son est bien meilleur. Voilà, sur ces Half Speed Mastering, bien sûr. Voilà. Alors évidemment, l'enregistrement est passé lui aussi pour pouvoir graver à demi-vitesse. Eh bien, il faut que l'enregistrement du master qui va servir pour la gravure, hein, et bien aussi soit passé au ralenti. Voilà, enfin, je vous précise. Donc, bon, ceci dit, Queen The Works, donc album de 1984, si mes souvenirs. 86, non, ouais, 80, 84, non, c'est ça. 84, parce que nous avons The Game, je vous rappelle The Game, donc moi je vais vous parler un petit peu de Queen des années 80. Donc, je vous avais présenté déjà l'album The Game, l'album de 1980 avec. Another One Bites the Dust notamment. Ensuite, on a eu Outer Space avec Body Language en 1982. Et en 86, il y a eu Living in Magic que je vais vous présenter, que j'ai commandé d'ailleurs, qui est pas cher du tout. Je crois que je l'ai eu à 17 euros en Half Speed Mastering, c'est pas mal. Et qui est pas mal du tout. J'aime bien ce son des années 80, un petit peu le pop disco, un peu. Hein, attention. Faut y aller mollo, voilà. C'est plutôt pour moi du pop rock, du pop, mais un petit peu influencé par le disco depuis Another One Bites the Dust de 1980. Donc c'est pour ça que j'aime bien ces quatre albums qui tirent un petit peu sur le disco, sur la new wave, sur le pop. Voilà, groupe américain évidemment. Donc avec Freddie Mercury, voilà ce que je pouvais vous dire. Alors c'est une réédition de 2015. Et il était sorti à l'origine en 2014. Bon, on va l'ouvrir. Voilà. Avant de vous dire les titres qu'il y a dessus. Ils sont intéressants. Et c'est du 180 aussi. Bon, ce sont des prix assez, encore assez intéressants. Voilà. Et on a même, je crois que c'est une pochette. Ah oui, ils nous font cadeau de la pochette à l'intérieur. Ah, oh, ça c'est super. Donc, ce qui fait qu'on a à la fois la pochette antistatique. Bon, moi, ce que je fais, parce qu'on me dit comment je range les disques. Puisqu'on a une minute, là. Enfin, ça fait déjà 38 minutes. Hein. Enfin, là, c'est presque fini. En fait, je les mets comme ça, mes pochettes. Quand j'ai la pochette, vous voyez, je les mets comme ça. Voilà. Et après, j'essaye de tout enfourner là-dedans. Et normalement, ça tient. Voilà. Voyez, sans problème. Alors dessus, alors on a les singles, quatre singles, I Want to Break Fire, Radio Gaga, qui est un petit peu disco, qui tire un petit peu sur le disco, je trouve. It's a Hard Life, Hammer to Fall. Voilà. Pour les fans de Freddie Mercury. Donc, troisième album des années 80. À moins qu'on en trouve un autre. Et donc, je vous présenterai le quatrième. Il y en a eu en 89 un autre. Il y a eu un cinquième. Mais bon, que je trouve moins bon. Alors, ensuite, petit à petit, bah, j'achète les albums des Rolling Stones. Et cet album de 1978, Some Girls, avec ce single Some Girls.
Qu'est-ce qu'il y avait dessus? Donc, qui a été réédité en 2020 en Alpha Speed Mastering aussi. Et c'est bah, le label du groupe normalement. Voilà. Ensuite, donc, on a donc Far Away, Eyes, Some Girls et Miss You. Alors ça, pareil. Alors là, les fans des Rolling Stones vont m'en vouloir. Là aussi, ça tire un petit peu sur le disco. Un petit disco rock. J'aime bien, j'aime bien, j'aime beaucoup. D'ailleurs, l'album est de 78. Il démarre là-dessus. Il démarre sur ce titre, je crois, qui commence par ce titre. Et j'aime bien, ça fait moderne pour l'époque, ça fait accrocheur, et je pense que ça a été voulu pour sortir un peu des Rolling Stones de cette période des années 60-70. Voilà, et on a ensuite Mick Jagger, hein, qui n'est pas tout jeune, qui a une opération à cœur ouvert, quand même quelqu'un qui a beaucoup de volonté finalement. Hein. Voilà. Donc, Some Girls, je vérifie les titres. Miss You, voilà, oui. Premier titre de la face A. Très joli macaron, 180 grammes. Donc, alors, je les ai écoutés, c'est vraiment très, très, très bon au point de vue gravure et puis au point de vue écoute et mastering, c'est irréprochable. Voilà, c'est vraiment de la qualité. On trouve encore des pépites à des prix défiant toute concurrence. Alors, on va terminer par une BO. Alors, sur les conseils ou les mises en garde donc de Direct Sound Vinyl, sa chaîne, qui avait vu ce film un peu à thèse, on n'a plus le temps d'en parler, Tenet, qui n'a pas eu beaucoup de succès. Et là, il s'agit donc d'une BO de Ludwig Göransson. Alors, je l'avais présenté, je crois, à l'occasion de Venom et puis Black Panther, et aussi, ah oui, Death Wish, ça avait présenté aussi ses disques. Donc là, trois vinyles pour une vingtaine d'euros, c'est assez intéressant. Mais bon, je vois que le blister n'a pas été très bien fait. Et pourtant, c'est du Water Tower, hein, de chez Warner. Au moment, c'était bien pressé. Mais évidemment, ça n'a pas été supervisé par Mondo, celui-ci. Et là, vous voyez, on a une scorie là, qui s'est mise sur le blister, là, une scorie là, en plastique, en PVC. Et justement, Direct Sound Vinyl nous avait mis en garde en disant, bon, il faut vraiment les nettoyer, ils sont très sales. Alors, je vais voir un petit peu ce qu'il en est. Voilà. Et c'est vrai que la BO est pas mal, hein, parce que bon, c'est toujours un petit peu ronflant, très. Ludwig Göransson, hein, dans son style. Hein. Alors, il y a trois vinyles, bon, c'est ça qui appâte un petit peu. Parce que maintenant, quand même trouver. Voilà, c'est pas mal aussi. Un bel artwork à l'intérieur aussi. Pas mal de morceaux. On a 86 minutes, je crois. 86 minutes, ouais, de musique quand même. C'est assez rentable, dirons-nous. Voilà. Et là, je vais voir si je suis tombé sur un exemplaire. Bon, pour le moment, c'est très soigné. Hein. Là, j'ai vraiment magnifique. Oh, là, je crois qu'il est arrivé un accident à Direct Sound Vinyl, parce que là c'est un vrai miroir, c'est magnifique, magnifique, vraiment, il n'y a aucun, rien, 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 rien dessus. Voilà, vous pouvez en attester, il n'y a pas de griffes, lui il avait eu deux griffes, il était obligé de. Enfin, avec deux ou trois disques, il en a fait un, enfin bon, c'était une horreur, bon, ça peut arriver, hein. Ça peut arriver, moi j'ai eu des disques, là aussi, là c'est vraiment très, très belle, très beau macaron aussi, vous voyez, vraiment, une propreté. C'est même pas la peine de les nettoyer. Là, si ce n'est ici, peut-être. Non, mais ça, c'est du talc, parce que ils mettent, j'en suis aperçu, au Radoshin, ils mettent des fois du talc, un produit, un genre de talc. Mais ça a toujours été utilisé depuis très, très, très longtemps, depuis les années 70, je dirais. On met du talc, des fois, pour faire glisser plus facilement les vinyles dans leur sous-pochette. Et le troisième, je vais quand même vérifier avec vous. Voilà. Donc, film, évidemment, à thèse, de fiction, toujours. Donc, de Christopher Nolan, voilà.
si mes souvenirs sont bons, qui avait fait du Batman. Hein. Alors vous me reprenez, hein, si je dis des énormités des fois, parce que je me mélange les pinceaux, ça peut arriver. Voilà, écoutez, on est déjà à 45 minutes. Ouais, je préfère vous faire des bonnes vidéos une fois par mois, parce que maintenant, compte tenu des prix d'une part et compte tenu du fait que il y a moins de choses intéressantes, on est assez submergé par des tas de choses qui sont pas forcément si intéressantes que ça. Et voilà, donc il y a moins de choses, il y a moins de choses qui paraissent. Donc c'est plus difficile, les délais de commande, les pré-orders, ça prend des mois. Donc je ne peux pas vous présenter des vidéos, moi, bon, une ou deux fois par mois, peut-être un unboxing, je pense deux fois par mois, une fois tous les 15 jours. Voilà, une fois tous les 15 jours avec les nouveautés du mois et puis peut-être un unboxing, voilà, des BO de chez Mondo, de chez Waxwork ou aussi de chez Record City au Japon, voire Record Cell, voilà, mais pour l'occasion, voilà ce que je voulais vous dire. Et surtout, on voit des coffrets à des prix, des choses qui devraient valoir moins de 100 euros à 200 euros, ça fait peur. Voilà, donc bah, il faut fouiner, hein, parce que là, tous les disques que je vous ai présentés, ce n'est pas des prix, il y en a beaucoup qui sont en dessous de 20 euros. Et même le Greta, 35 et 25. Voilà, bon, il faut essayer de fouiller là-dessus, dans les Leclerc aussi. Puis, je vous dis, sur les grandes anciennes, parce que je m'excuse, mais les disquaires, d'abord, ils peuvent pas avoir tout ce stock, c'est pas possible, ils se ruineraient. Parce que s'ils stockent des disques, ils mettent des années à vendre ou qu'ils soldent après, sans rien gagner dessus, c'est pas la peine pour eux. Ils n'ont pas les reins assez solides pour tenir le coup. Et autrement, voilà, bon, les grandes enseignes, malheureusement. Ben c'est tout ce que je voulais vous dire. Ben voyez le prix, hein. Bon, ça c'était quoi? Oh ben là, ils mettent carrément pas le prix. Comme ça. Vous voyez, voilà. Le Queen. Je vous montre. Voilà, je m'en parle parce que. Voilà, le Queen. Je sais pas si le prix apparaît. Voilà. Bon, vous voyez. Donc il faut savoir fouiner parce que on les retrouve des fois avec des différences de 5 et 10 euros, les mêmes choses. Bon, j'ai à la demande, enfin j'ai senti que quand même ça gênait pas mal de d'abonnés, enfin de spectateurs d'avoir de la pub. Et puis j'ai fait le bilan, au bout d'un mois ça m'a rapporté que 4 euros. Alors si c'est pour gagner 50 euros par an et gêner les spectateurs, les abonnés, c'est pas la peine. Donc, bon, j'avais commencé à désactiver les vidéos parfois en début, puis toutes en milieu, et puis de désactiver les pubs, pardon, sur la vidéo au début et en milieu, toutes pour le milieu, parce que c'est très désagréable d'avoir une coupure au milieu de la vidéo. Alors j'avais évidemment essayé de délaguer un petit peu, mais finalement j'ai carrément renoncé à monétiser la chaîne parce qu'en fait pour compenser des droits d'auteur, ça gagne pas assez quoi. Voilà. Si ça rapportait une centaine d'euros par mois ou plusieurs centaines d'euros par mois, à ce moment-là on pourrait échanger cet argent contre des droits d'auteur et vous passer des disques vinyles qui sont beaucoup plus connus et beaucoup plus mélodieux, beaucoup plus agréables, voilà, et qui permettrait à des youtubeurs donc de découvrir d'excellents morceaux, mais qui sont plombé par des droits d'auteur, donc j'essaye de feinter en vous présentant donc un petit peu le second choix, mais quand même des pépites qui sont pas mal. Et même dans ce second choix, à chaque fois que j'ai une compile, par exemple, de 12-13 morceaux, il y a un morceau que je suis obligé de couper parce qu'il est censuré. Et pourtant, c'est quand même des illustres inconnus, enfin, ou qui sont pas très connus. Enfin, c'est assez étonnant tout ça. Voilà, bah, écoutez, la prochaine vidéo sera peut-être. Vous me dites, hein, si une fois par mois, ça vous dit que je continue à vous passer une compile de pop rock des années 80. Voilà.
C'est pas mal, moi je trouve. Après, bon, on m'a dit, bon, il faudrait passer des extraits. En fait, vous pouvez la mettre comme un disque. Bon, évidemment, les enregistrements ne sont pas forcément top, mais ça permet aussi de découvrir des groupes qui sont vraiment très méconnus. Voilà, eh bien, écoutez, bonne soirée, bon visionnage, et alors à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, au revoir.